j'aurais pu faire mes 3 cours sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on revisite le Marc dans la lumière de la biologie moléculaire, mais surtout dans ce mot épigénétique. Mais depuis les 5-6 ans où l'épigénétique est devenue un sujet de débats et de recherches et de vraiment des résultats foisonnants dans le milieu biologique, j'ai souvent revisité le Marc moi-même. Et au cours, depuis 5 ans, j'ai fait des cours en philosophie des sciences au muséum et chaque année, je vois un peu où j'en suis. Et je découvre de plus en plus de choses. Et effectivement, j'aurais pu vous faire un cours sur l'histoire de Lamarck, un cours sur la manière dont le marxisme a été vu au XXe siècle. Et il y a des histoires, mais tout à fait rocambolesques, on dit, non ? Oui. Pardon, vous n'entendez pas, excusez-moi. Il y a des histoires absolument... tout à fait passionnant à raconter sur la manière dont le Marc a essayé d'être réhabilité à différents moments. Et puis aujourd'hui, évidemment, j'aurais pu faire donc ce cours que je vais vous faire aujourd'hui, qui est un cours où je vais quand même essayer de faire comprendre pourquoi aujourd'hui on a tant d'intérêt pour le Marc dans le contexte des connaissances épigénétiques. J'étais à l'INRA toute la journée, où on a fait une journée omique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On a parlé des transcriptomes, des transcriptomiques. On a parlé des métabolomiques, on a parlé du génomique, on a parlé de l'épigénomique. Toutes ces études qui se font à l'échelle du génome et les quantités de données qui en résulte et la manière dont on va l'analyser. Et à un moment, effectivement, quelqu'un a parlé de Lamarck. Ça revient souvent. Et aujourd'hui, donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et peut-être à la fin, lors de la discussion, j'aimerais bien recueillir vos avis, si c'est maintenant non seulement le temps de revisiter Lamarck, mais peut-être réhabiliter et donner les honneurs à Lamarck. Donc, si on va placer tout ça dans le contexte de l'épigénétique, il faut qu'on le définisse. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser cette définition. L'épigénétique couvre tout changement de l'activité du génome qui n'est pas dû à un changement dans la séquence d'ADN. Vous savez que la plupart, si on va simplifier la théorie, la nouvelle synthèse, c'est-à-dire la manière dont on a mis la synthèse entre les idées de Darwin et les découvertes de Mendel sur la génétique, l'idée c'est qu'il y a des mutations dans les gènes de manière tout à fait stochastique, random, et la sélection naturelle va agir pour faire la sélection de les plus appropriés, les plus adaptés à l'environnement. Donc, c'est des modifications, des mutations dans la séquence d'ADN, dans la clé de lecture de l'ADN même. Or, l'épigénétique se joue au-dessus, littéralement, épi, au-dessus du génome. C'est des modifications qui vont changer l'activité du génome, comment les gènes vont être transcrits, mais qui n'implique pas une modification de la clé de lecture de AGTC, etc. Et vous voyez tout de suite pourquoi on pense que ces changements puissent être reliés aux théories de Lamarck, parce que des changements épigénétiques sont héritables au cours des divisions cellulaires et dans certains cas à travers des générations. Donc, des cellules se divisent, ils peuvent transmettre l'information, mais aujourd'hui, on a des données qui montrent que ça peut se passer comme ça, évidemment chez des bactéries, mais aussi chez des plantes, chez des animaux et chez des mammifères. Et évidemment, chez des humains. Alors, la question, c'est effectivement, pour nous, en tant que citoyennes, si tout ça... Ce que je vais vous montrer aujourd'hui
est vrai. Vous avez peut-être lu des articles de journaux que ce que votre grand-mère à manger peut avoir un effet sur la manière si oui ou non vous allez développer une maladie métabolique. C'est des associations, c'est des études de lignage qu'on a fait donc, en Finlande, en Danemark. Et la semaine dernière, je vous ai fait un cours sur les polluants dans l'environnement. Et les polluants environnementaux. Et effectivement, on peut quand même se poser la question, que transmettons-nous à la génération suivante? Et évidemment, c'est un débat qui est très ancien. Le débat, on dit en anglais, on a ce joli terminologie, nature versus nurture. En changeant une lettre dans le code, on a l'idée de l'inné ou l'acquis. Et effectivement, je pense qu'on peut quand même dire que c'est l'épigénétique qui nous montre que c'est vraiment les deux qui agissent ensemble. Ce n'est jamais un contre l'autre. Les deux vont donner le résultat qui est le phénotype que nous sommes aujourd'hui. Et donc, excusez-moi, c'est un peu dense, mais je vais essayer d'aller doucement. Je vais traiter donc 5 idées. Cette séquence, un génome exactement la même, peut donner plusieurs phénotypes morphologiques. La semaine dernière, je vous ai parlé des métamorphoses, un têtard dans une grenouille. C'est évident qu'avec le même génome, on a deux phénotypes distincts. Et c'est une histoire de comment on va changer l'expression de gène qui va déterminer comment un têtard va se transformer dans une grenouille. Évidemment, il y en a d'autres exemples, je vais en toucher. La deuxième idée, c'est qu'on peut aussi avoir des génomes à séquence ADN identiques avec des phénotypes morphologiques très similaires, pas aussi différents que têtard et grenouille. Je vais parler évidemment des cas des vrais jumeaux, parce que des vrais jumeaux, ils ont non seulement le génome identique, mais ils ont aussi un phénotype morphologique très similaire. Et pourtant, on sait aujourd'hui que selon le poids à la naissance, selon beaucoup de choses, on va avoir des différentes susceptibilités à des maladies, surtout des maladies de type métabolique. La troisième idée, c'est que, sachant, et là, je vais rentrer quand même un peu dans la biologie moléculaire. Alors, je reconnais que quand je fais un cours aux étudiants, je peux me permettre d'aller assez loin dans la biologie moléculaire, mais je voudrais quand même vous donner les éléments pour comprendre les bases, comment aujourd'hui on comprend comment l'épigénétique marche. Okay? Si c'est trop, faites une pause, lisez le journal et on va se reprendre ici où je vais essayer de vous reprendre avec comment ces différentes régulations transcriptionnelles, une petite idée de comment ils peuvent permettre des adaptations à des différents environnements et les transitions évolutives. Ça serait peut-être aussi un tout petit peu dur. Mais à la fin, je reviendrai, et c'est là le cœur de l'idée, je vais montrer comment ces idées ont permis à plusieurs auteurs de faire le lien entre la théorie de la marque et la transmission des informations via les marques épigénétiques. Et j'espère que nous aurons le temps d'en discuter. Donc, on va commencer avec quelques exemples. Je vais très visuel. Un génome peut donner plusieurs phénotypes morphologiques. Donc, ça, la première chose, je vous ai parlé de la grenouille, mais la première chose, c'est évidemment au niveau des cellules de notre organisme. On sait, à partir de l'œuf, que toutes les cellules de l'organisme vont se diviser et vont se différencier en différents types cellulaires. Et pourtant, à quelques exceptions près, ils ont tous exactement le même génome. Donc, on peut dire que toutes nos cellules sont porteuses de la même information génétique, et pourtant, il existe une centaine de différents types cellulaires, et ça, c'est juste des grandes catégories. Ce fait nous montre que la séquence du génome ne peut pas tout expliquer, que c'est la manière dont les gènes vont s'exprimer entre eux. Et une comparaison que j'aime beaucoup, c'est l'idée avec une gamme, parlons pas des gammes différentes, une gamme classique. On peut faire une partition de Bach, ou évidemment, un maple,
Leaf Rag de Scott Joplin. C'est la manière comme on va utiliser les gènes ou les notes dans l'espace et dans le temps et leur combinaison, leur harmonie, leur disharmonie qui vont faire en sorte qu'on a un phénotype différent. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de la métamorphose, mais aujourd'hui, j'ajoute l'information que la métamorphose induite par cette hormone thyroïdienne peut être vue comme un switch, on dirait en anglais, un interrupteur épigénétique. On a un jeu de gènes qui sont mis en place avant la métamorphose et un deuxième jeu, pour simplifier, qui sont activés après la métamorphose. Évidemment, chez les insectes, on a beaucoup plus, c'est encore plus spectaculaire entre l'œuf, le chenille, le pupa et le papillon. Donc voilà, c'est juste pour illustrer, comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc on peut attaquer la deuxième idée, que je vais aussi traiter de manière assez visuelle. L'idée que des génomes qui ont par définition une séquence d'ADN identique, qui dans des phénotypes morphologiques très similaires, peuvent montrer des différentes sensibilités au stress et des maladies. Et c'est le cas des vrais jumeaux. Effectivement, ici, on a un cas de vrais jumeaux, mais tout de suite, dans ce paire de jumeaux, on voit que une est plus grande, parce que c'est des filles, je pense, une est plus grande que l'autre. Et le fait est que selon la manière dont on va nourrir ces deux enfants, si la deuxième rattrape très rapidement ou trop rapidement le poids de l'autre, on va avoir une propensité, une sensibilité à des maladies métaboliques plus tard. Aujourd'hui, on fait ce genre d'études, on peut le suivre chez des jumeaux, mais le fait est qu'on a eu des cas dans l'histoire du XXe siècle très frappants. On a eu, par exemple, il y a énormément d'études qui ont été faites sur les enfants qui sont nés après la famine qu'ont subi la population hollandaise dans la Deuxième Guerre mondiale, dans l'hiver de 1944-1945. Ils étaient préparés, mais l'hiver a été tellement rude que ça a gelé les canaux et la forme de distribution normale de la nourriture a dû être interrompue. En plus, l'occupation allemande avait vraiment contrôlé et donc tout le monde se trouvait avec une alimentation de 1000 calories. Alors pour une femme enceinte, ce n'est pas assez. Heureusement, cette période n'a duré que 3 mois. Donc, avec la population était déjà une population assez urbaine, et donc les femmes qui allaient pour accoucher à l'hôpital après, on avait exactement les dates auxquelles ils avaient subi cette restriction alimentaire, et on avait le poids de l'enfant à la naissance, etc. Et donc on a pu faire une cohorte d'enfants qui est suivie jusqu'à aujourd'hui, on a toujours les données sur ces personnes, et on peut voir non seulement que cette restriction alimentaire lors de la gestation va donner des enfants qui sont plus sensibles à des maladies métaboliques, mais on peut voir que la période la plus sensible, c'est le début de la grossesse. Ce qui est un peu inattendu, parce qu'on aurait pensé que c'était la fin de la grossesse quand la croissance est plus grande. Mais non, c'est le début de la grossesse. Et ceci, c'est une manière de dire que l'embryon est en train de lire les conditions environnementales. Oh là là, les choses vont être dures à l'extérieur. Je vais me mettre en place un métabolisme adapté pour stocker tout ce qui m'arrive, je vais le stocker. Et effectivement, ces enfants-là, ils ont attrapé les poids très vite parce qu'ils avaient un métabolisme anabolique qui allait stocker les réserves. Et c'est ces enfants-là qui sont plus susceptibles à la diabète de type 2 et des maladies métaboliques. Donc, il y a malheureusement d'autres cas comme ça qu'on peut citer dans l'histoire du début du XXe siècle. Alors, c'est quand les analyses de ce type ont commencé à sortir que ça a évidemment frappé les médias et Time Magazine
a donné le titre « Comment les premiers mois de votre vie déterminent la suite de votre vie ». En effet, c'est des idées des effets précoces avec des conséquences tardives. J'espère que vous voyez tout de suite qu'on est en train de dire que ce n'est pas seulement le génome, mais c'est l'environnement dans lequel le génome va s'exprimer qui va déterminer les réponses génétiques à beaucoup d'autres situations plus tard. Et je peux aussi dire, bon, on va revenir là-dessus, qu'on sait maintenant que c'est l'alimentation de la femme qui va être vraiment un facteur déterminant dans le développement de l'enfant. C'est une banalité, tout le monde va vous dire, oui, il faut que la femme mange bien. Mais l'idée que donner des suppléments folates, l'acide folique, quand vous allez voir comment marche l'épigénétique, vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Et effectivement, comme dit cet article dans Time, c'est la nutrition que vous avez reçue in utero avec, c'est Time qui le dit et pas moi, et pourtant je vous en avais parlé la semaine dernière, les polluants, les drogues et les infections et la santé physique et mentale de votre mère lors de sa grossesse, tous ces facteurs ont contribué à vous former et vous affectent encore aujourd'hui et sans doute celle de vos enfants. Donc voilà. Ces petits jumeaux ou jumelles ont le même génome, mais on sait, vu la taille, ils n'avaient pas la même nutrition, par le même simple fait qu'une est plus petite que l'autre, ils ont des différences déjà. Et ça, c'est une autre couverture de Time magazine. Et cette fois-ci, ils ont dit pourquoi votre ADN n'est pas votre destin. Mais c'est, évidemment, ça contribue. Hein. Mais ce n'est pas seulement l'ADN. Et c'est là où ils avaient dit... C'est la traduction de ce qui est écrit ici. La nouvelle science de l'épigénétique explique pourquoi vos choix peuvent modifier l'expression de vos gènes et de vos enfants. Et cette idée qui n'est pas mal, que c'est la manière dont l'ADN, bon, ce n'est pas tellement ça, va être ouverte, mais vous allez voir que c'est une assez bonne métaphore. La manière dont l'ADN va être ouverte et loue est vraiment déterminée par son environnement. Mais je vous ai parlé de la mère et la nutrition de la mère. Et je vais revenir sur ça dans le dernier exemple que je vais traiter aujourd'hui. Mais c'est aussi bien les pères que les mères. Parce qu'on peut aussi donner un régime faible en protéines à un rat mâle, l'accoupler avec une rate normale, bien nourrie, et on va avoir des changements épigénétiques au niveau de la méthylation de l'ADN. Et on va voir, par exemple, que les petits ratons nés de cet accouplement vont avoir une augmentation des gènes impliqués dans la synthèse de cholestérol. Cholestérol qui est évidemment un premier suspect dans plein de maladies métaboliques. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, on arrive à une petite équation, juste avec ces exemples visuels, qu'on a un génotype et on sait que l'environnement va interagir avec ce génotype pour donner ce qu'on appelle l'épigénome et cet épigénome va déterminer le phénotype, que ce soit un phénotype morphologique ou un phénotype métabolique. Et ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une idée nouvelle. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée assez ancienne. Il est dit, je ne suis pas revenue sur les textes originaux, mais Aristote a pu écrire, après avoir observé des embryons de poulet, et c'était vraiment une observation prémonitoire, qu'il montre qu'il a compris que les formes des individus ne préexistent pas dans le germe, mais que ces formes s'acquérirent lors du développement. Donc Aristote, bon, évidemment, il n'avait pas... Mais pour lui, c'était clair. Et c'est lui, paraît-il, qui a utilisé le terme d'épigénèse d'abord. On peut dire que quand même, la personne qui a vraiment mis le doigt dessus, c'est un Anglais, Charles Waddington. Et il a écrit en Nature, en 1956, Embryology, Epigenetics and Biogenetics. Et souvent, on attribue à lui l'idée que
la manière dont l'information va être lue va dépendre de quelque chose qui va interagir avec le génome. On peut aussi citer Jacob Emono et le collègue Wolf, qui travaillent ici au muséum, sur le fait que, évidemment, vous connaissez, j'imagine tous plus ou moins, l'idée qu'en cultivant des bactéries avec ou sans lactose, on va induire les gènes qui vont pouvoir métaboliser. Donc on a déjà pu démontrer un effet de l'environnement sur l'expression de gènes. Et puis, c'est encore en anglais, Adrienne Bird, en 2007, et c'est vraiment, on peut dire, l'explosion. C'est là où on va avoir plus en plus d'informations sur les mécanismes épigénétiques. Et c'est Adrienne Bird qui va dire les événements épigénétiques sont des adaptations de la structure des régions chromosomiques afin d'enregistrer, signaler ou perpétuer des états d'activité altérés. Altérés par quoi ? Altérés par des signaux qui viennent, entre d'autres choses, par l'environnement, qui peut être l'environnement de la cellule ou évidemment un environnement extérieur à l'organisme. Et c'est lui qui va dire, effectivement, pour certains auteurs aujourd'hui, la transmission d'une marque d'une cellule fille à une autre est un exemple de transmission de marque épigénétique, tandis que pour les puristes, ça va être la transmission d'une marque épigénétique à travers des générations, des différents individus qui contribuent, qui font partie de cette population. Et c'est Adrienne Bird, dans cet article en 2007, et j'ai fait une traduction. Et à l'époque, il y a 5 ans, il a dit, en dépit du manque des études chez des animaux, et je vais vous montrer que ce manque est comblé aujourd'hui, l'épigénétique frappe l'imagination car il est en principe le moyen par lequel l'environnement affecte le génome. Et je parle d'affecter le génome, pas dans le sens de changer les séquences. Hein? OK, on est d'accord. La possibilité que les marques ASCII peuvent passer d'une génération à une autre possède une saveur lamarckienne délicieuse et qui fournit l'antidote potentiel irrésistible au déterminisme génétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas que le génome, tout n'est pas dicté dans le génome, que, effectivement, l'environnement va jouer sur ce qu'on est. Et dans un sens, effectivement, on a mis fin à cette tout dans le déterminisme génétique. Donc, maintenant, un peu de biologie moléculaire. OK? Voilà. Sortez le mot croisé si vous avez... si vous ne voulez pas, mais je voudrais quand même que vous compreniez qu'est-ce que c'est qui a changé notre vision de l'épigénétique et la marque. Je pense que tout le monde sait que dans le noyau se trouvent des chromosomes et on peut les regarder avec un microscope, on peut les colorer, on peut faire des choses... avec un microscope optique, on peut, dans certaines conditions, voir des chromosomes. Si on regarde avec un microscope électronique, on va voir des paires des chromosomes sont toujours en paires. Ça, c'est, il y a deux bras dans chaque chromosome. Et si on l'ouvre, on va voir que chaque chromosome est une série de bases d'ADN qui se... Vous connaissez peut-être C et G qui vont ensemble, et T et A... Et il y a une structure en double hélice, c'est évidemment le prix Nobel de Watson et Crick. Ce qui est plus fascinant, c'est la quantité d'informations qui est dans chacune de nos cellules. Selon les estimations, ces double brins d'ADN qui sont compactés dans le noyau, ils peuvent, si on les défaisait, pour ainsi dire, si on les déroulait, on va avoir entre 2, selon les calculs, 2 et 4 mètres d'ADN par noyau. Je ne sais pas si vous commencez à voir qu'est-ce que ça peut donner en termes de quantité d'ADN que vous avez et la longueur. Je me souviens, la première personne qui m'a montré ça, c'est Claude Hélène qui a fait ce calcul il y a bien des années.
Je lui tire mon chapeau, mais j'imagine qu'il avait vu aussi, comme beaucoup d'idées ailleurs. Ben, il y a beaucoup de cellules, 10 puissance 13, minimum dans le corps humain. Et ça, c'est sans compter les bactéries. Bon, on va pas. Il y en a 10 fois plus, 100 fois plus de bactéries. Mais restons sur nos cellules à nous. Ça fait beaucoup de mètres d'ADN. Ça fait 10 puissance 10 kilomètres. Ben, vous pouvez quasiment aller à Mars avec... Ben, vous pouvez. Hein. C'est vraiment faramineux. Et tout ça, c'est parce que l'ADN est compacté. Très serré dans le noyau. Et il est très serré grâce à des protéines particulières qui s'appellent des histones qui vont interagir avec cet ADN et le serrer. Et ces histones vont avoir différentes marques, différents post-it, j'aime bien dire, pour dire dans quel état ils sont et quelle est l'information qu'ils ont reçue. C'est très important. Et selon les marques des histones, le chromatine va pouvoir se relâcher un peu ou il va se refermer. C'est-à-dire, quand la chromatine est relâchée, la machinerie transcriptionnelle va pouvoir venir et faire son travail et transcrire les gènes et faire l'ARN et faire des protéines. Tandis que quand l'ADN est très compact, il est fermé et la machinerie transcriptionnelle ne peut pas venir et transcrire des gènes. Moi, j'aime bien faire l'analogie. Oh, pardon. Et ça, c'est, excusez-moi. Ça, c'est les histones. C'est la première chose. Mais il y a aussi les séquences d'ADN qui contiennent de l'information. Et c'est surtout les bases de histones qui peuvent subir une méthylation grâce à des enzymes qui vont venir apporter une méthylation et faire du méthylcytosine. Et ces bases méthylcytosine vont aussi porter leur tag. Et dans un sens, ils sont presque plus importants dans le contexte de la transmission de l'information que les marques qui vont être sur les protéines, les histones. Donc, on a des marques sur les protéines qui compactent l'ADN, on a des marques sur l'ADN même. Mais on n'a pas changé la séquence. On a juste changé les marques sur la séquence. Et les marques de méthylation peuvent être vues encore comme des post-it. Les enzymes vont venir dire, bon, cette base-là, il est important, celui-là aussi, etc. Donc, on va mettre des repères sur l'ADN. Donc, la deuxième idée là, c'est qu'il y a beaucoup de ces marques qui vont être mises dans les régions du gène, des gènes qui vont réguler l'expression des gènes. Il faut dire que des gènes ne sont pas simplement des séquences codantes. Ce n'est pas simplement des bouts d'ADN qui vont coder pour l'ARN qui va faire la protéine. Plus d'ADN est consacré à des régions régulatrices qui déterminent si oui ou non la machinerie transcriptionnelle va pouvoir accéder à la chromatine et transcrire les gènes pour lecture. C'est un peu comme, moi, une analogie avec un accordéon qui est ouvert. Si la région régulatrice n'est pas méthylée, ça, il y a le son qui sort. Et quand c'est fermé, pas de transcription, c'est silence. OK? C'est un peu simpliste, mais c'est pas si loin que ça de là. Et on peut le voir un peu comme si toute gène est composée d'une séquence codante. Mais il y a beaucoup plus d'informations qui sont dans les séquences non codantes, mais les séquences régulatrices qui vont pouvoir lier les facteurs de transcription, la machinerie transcriptionnelle, comme je le dis. Et ça va être gouverné par beaucoup d'autres protéines qui vont interagir et déterminer dans ces régions de contrôle si oui ou non on va avoir transcription ou pas. C'est dans ces régions-là, c'est dans ces régions, on dit le promoteur ou la région régulatrice, qu'il y a aussi beaucoup de sites de méthylation. Et quand ces régions-là sont méthylées, la protéine, il ne va pas avoir transcription, il ne va pas avoir production de protéines, le gène va être silent. Et nous savons que la méthylation de l'ADN est sujet à des contrôles dépendants des signaux cellulaires, tels les hormones, et les molécules métaboliques, et les nutriments. Et c'est là où je reviens à la folate, qu'on donne
femme enceinte pour s'assurer que l'enfant ne va pas avoir un manque d'acide folique, parce que c'est une forme de vitamine B. La folate est un donateur de groupe méthyl. Il est directement impliqué dans la méthylation de l'ADN. Donc, bon, ça va aller. Je ne vous perds pas trop là. Ces régulations peuvent subir des modifications transitoires ou permanentes. Et ces modifications peuvent être à la base des adaptations à l'environnement. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que les modifications, et là je vais quitter un petit peu le thème de l'épigénétique pour aller dans le problème de modification du génome per se, pour quand même dire que, parce que tant on est dans l'idée que c'est l'expression de gènes qui va générer la biodiversité, il faut quand même qu'on place une autre idée, qu'effectivement, si on regarde le nombre de gènes qui est un simple nématode, un ver comme on peut trouver dans le sol, ici c'est pas un ver qu'on trouve dans le sol, c'est le Cenorhabditis elegans, il a quasiment autant de gènes qu'un être humain. Le drosophile en a beaucoup moins. Mais je pense que vous pouvez très vite voir que la complexité de l'être humain est beaucoup plus que le C. elegans, le Cenorhabditis. Et c'est la manière dont ces gènes sont utilisés. Maintenant, la différence entre un C. elegans et l'homme ne dépend pas de l'épigénétique. Ça dépend de quelque chose de beaucoup plus concret dans l'écriture du gène. On le sait aujourd'hui, c'est le nombre de gènes et les types de gènes. Mais je voudrais introduire l'idée que c'est quand même l'apparition de nouveaux caractères est très lié à la mise en place de nouvelles régulations au cours de l'évolution. Et ici, c'est de nouveau cette idée de séquence codant et cette région régulatrice ou promotrice. Et là, je vous ai parlé dans le contexte d'adaptation des modifications épigénétiques. Mais je voudrais aussi que vous reteniez, parce que si on discute Darwin contre Lamarck, l'idée darwinienne, c'est que c'est les séquences et les modifications de ces séquences ou la perte ou l'acquisition d'une nouvelle séquence ou la perte d'une ancienne qui va changer l'expression des gènes. Mais de nouveau, dans la manière dont on voit la théorie de Darwin, on est aussi dans la question de régulation des gènes, mais avec des mécanismes, je voudrais insister sur ça, différents. OK? Et effectivement, vous savez tous, vous l'avez lu, je mets Darwin de nouveau, que vous avez lu dans les médias que les hommes et les chimpanzés partagent 98% de leur génome. Et la grande différence, les différences sont quasiment toutes dans ces régions régulatrices. Et c'est un peu... c'est vraiment les séquences. Là, c'est pas... Que je sois clair, c'est pas des différences épigénétiques, c'est dans les séquences régulatrices et c'est les séquences d'ADN. Mais je voudrais juste insister sur l'importance... La raison que je mets ces deux idées ensemble, c'est que c'est pour insister sur l'idée que c'est la manière où et comment et dans quel contexte les gènes s'expriment qui détermine un phénotype. Et ça peut être la séquence, et c'est ça qui va être la base de la sélection naturelle telle qu'on le connaît, ou ça peut être l'épigénétique. Et il y a deux manières de le voir si on compare... Si on regarde les études sur les prokaryotes, on va aussi trouver quand même que l'environnement peut aussi affecter la séquence d'un gène. Et évidemment, la différence entre la théorie de Lamarck et Darwin dans ce contexte va être qu'un événement dans l'environnement qui induit une mutation va être passé directement à l'organisme qui serait plus ou moins adapté. Ça, c'est plutôt lamarckien. Tandis que Darwin, il faudrait attendre la sélection naturelle pour que ça soit utile. Je reste là dans cet exemple au niveau de la séquence de gènes. Et il y a énormément d'exemples chez les prokaryotes, bien établis. Hein. Chez les bactéries, vous pouvez imaginer, c'est pas la peine de l'imaginer, vous pouvez prendre le cas d'une bactérie qui est infectée par un virus, soit le virus propage et détruit la cellule, soit la bactérie monte une réponse contre le virus, détruit
l'ADN du virus. Et dans certains cas, il va pouvoir incorporer cette information du virus dans son génome et dans des futures générations, se défendre contre un virus. Et ça, c'est cette sélection, il n'y a pas besoin vraiment de sélection naturelle. Et certains gens vont déjà dire que c'est un exemple de lamarckisme parce que c'est une acquisition d'une information contre un virus qui va servir tout de suite à la génération suivante, et ça servit à la première génération. Il a donné un avantage immédiat. Je cite ces exemples pour dire qu'il n'y a pas que pertinence pour la théorie de Lamarck quand on parle de régulation de gènes, et quand on parle de régulation épigénétique, l'idée de disons que quand on parle de transmission immédiate à une génération suivante, on n'est pas nécessairement non plus en train de parler d'épigénétique. Il peut y avoir des transmissions très rapides et de séquences d'ADN sans qu'il y ait vraiment besoin d'une sélection sur plusieurs générations. Et donc là, j'arrive à la queue de mon topo, ayant donné ces quelques idées sur la biologie moléculaire. Et je vais regarder donc ces données dans la lumière de Lamarck. Alors, il serait impossible de faire un cours sur Lamarck sans donner un peu de son background. Né en 1744, son père voulait qu'il soit séminariste, qu'il rentre dans le clergé. Mais il était 11e d'une famille de 12 ou quelque chose comme ça. Et ses deux frères aînés étaient déjà dans le militaire, et lui voulait absolument aller dans l'armée aussi. Et à la mort de son père, il avait que 17 ans, il est parti dans l'armée française. Heureusement, il était, pour la science, il a été blessé et hospitalisé à Toulon, où il a commencé à regarder des plantes. Il a pu avoir développer son intérêt pour la nature, et il a beaucoup étudié la flore autour de Toulon. Mais avant qu'il a pu consolider cet intérêt, il est devenu comptable, il a fait des études de médecine, et puis c'est avant 1800, d'abord il a fait la botanique, il a publié un flore qui a attiré l'attention de Buffon, un flore de 3 volumes, et sur cette base, la base de ce flore, Buffon l'a fait rentrer dans l'Académie française. Mais il n'avait toujours pas de poste. Il était précaire. Lamarck était un précaire avant son temps. Il était à l'Académie française, mais son job fixe. Et il a fallu attendre la Révolution en 1789, par définition, et 90, où Buffon a pu lui donner une chaire, mais de zoologie. Et au début, il ne savait pas s'il allait prendre les animaux avec les animaux vertébrés ou les animaux sans. Et finalement, un jour, il a dû prendre la chair de les animaux sans vertébrés. Et il s'est mis à. Il avait un an pour préparer ses cours. Et c'est là où il a commencé à préparer ce qui allait devenir en 1809 son philosophie zoologique. Et si on regarde ces cours qu'il a faits de 1800 à 1809, on va voir un progrès graduel. Je n'ai pas le temps de vous les montrer aujourd'hui. Mais c'est effectivement dans cette philosophie zoologique qu'il va dire les phrases qui sont les plus célèbres. Je vous le laisse lire, vous êtes capable de les lire aussi bien que moi. Mais les mots intéressants, changement acquis, organe pas une habitude d'emploi suffisante. Et c'est peut-être là où aujourd'hui, effectivement, on peut toujours critiquer. Se conserve ensuite par la génération s'il est commun aux individus qui, dans la fécondation, concourent ensemble à la reproduction de leur espèce. Ce changement se propage et passe ainsi dans tous les individus qui succèdent et qui sont soumis aux mêmes circonstances sans qu'ils aient été obligés de l'acquérir par la voie qu'il a été réellement créé. Donc, vraiment, c'est là où on peut dire que Lamarck parle de
la transmission des caractères acquis. Et c'est effectivement, on peut revenir juste un petit peu en 1806, et ça, on peut voir un peu comment, déjà, il a la phrase qui va utiliser textuelle dans philosophie zoologique, mais cette idée d'emploi plus fréquent, et c'est pour ça sans doute qu'aujourd'hui, le Marc n'est toujours pas vraiment, n'a pas retrouvé ses honneurs, parce que c'est sans doute pas l'emploi le plus fréquent. Mais on va voir aujourd'hui, c'était jusque très récent qu'on n'a pas trouvé d'exemple comme ça. Mais je vais vous en montrer, j'espère, un qui va argumenter un peu dans ce sens. Une autre citation. Et là, l'exemple que je vais vous donner en fin de cours, je pense que vraiment, le Marc avait raison. De grands changements dans les circonstances amènent, pour les animaux, de grands changements dans leurs besoins. Et de pareils changements dans les besoins en emmènent nécessairement dans les actions. Or, si les nouveaux besoins deviennent constants, durables, nouvelles habitudes qui sont aussi durables. Et ceci a donné deux lois. On va juste prendre le temps de lire les deux lois parce qu'il y a des mots qui vont revenir dans la discussion. Et là, c'est très important. Tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements. Aujourd'hui, même quand on fait la synthèse moderne et on discute les idées de Darwin dans ce conseil sur le génétique, on sait que c'est les mutations qui affectent l'expression des gènes du développement qui vont avoir le plus d'impact sur l'évolution. Et déjà, Lamarck avait noté que c'était lors du développement que ces changements doivent jouer. De nouveau, l'idée de plus fréquent, développe agrandi, puissance proportionnelle à la durée, et si ce n'est pas utilisé, l'affaiblit. OK, donc, pour moi, dans la première loi, le mot-clé qui est critique, c'est l'idée de développement. Et dans la deuxième loi qu'il établit dans la même œuvre, on l'a déjà vu, acquérir, influence des circonstances, idée de l'environnement, et pourvu que ces changements acquis soient communs aux deux sexes, et ils vont passer. On va voir que ce n'est pas besoin d'être aux deux sexes aujourd'hui. Mais quand même, l'idée a été qu'il fallait qu'il y ait reproduction et entre les deux. Si on passe donc maintenant à comment les gens aujourd'hui commencent à regarder ça, cette transmission, une personne, Eva Jablonek, qui a beaucoup travaillé là-dessus, va dire qu'on peut avoir des modifications épigénétiques dans un animal multicellulaire, et ces modifications, F0, c'est une manière que les généticiens utilisent pour dire que la première génération qui est touchée, le F0, le F1, c'est la suite, et le F2, c'est la suivante. Soit on va laisser des marques dans les cellules germinales, c'est-à-dire le sperme et les œufs, soit on peut avoir, dans certains cas, les marques qui passent dans le soma, c'est-à-dire dans les tissus de l'organisme qui ne sont pas des cellules germinales. Je n'aurai pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples de ça aujourd'hui, mais suffit-il de dire qu'on a des exemples de chacune de ces formes de transmission, que ce soit chez les mammifères, chez les plantes, évidemment, chez l'être humain, on ne va faire que des déductions, mais juste pour vous citer le cas des prions qui passent de cytoplasme au cytoplasme, c'est une forme d'inhéritance épigénétique qui ne concerne pas le génome, par exemple. On sait aujourd'hui que la plupart des facteurs qui vont affecter l'épigénome et laisser des marques épigénétiques, c'est la disponibilité en nutriments, les toxines et polluants dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais aussi différentes formes de stress. Évidemment, on peut penser à des stress, la radioactivité qui va, ou la lumière UV, mais on peut aussi penser, parce que ça c'est des stress pour les cellules, mais on peut penser aussi à la stress quotidienne. Parce que le stress affecte notre physiologie sur un axe endocrine qui est l'axe hypothalamo-hypophyse-surrénal,
et la production des hormones glucocorticoïdes. Et on sait que c'est une axe qui est très sensible au stress et dont plusieurs des gènes ciblent cet axe peuvent être touchés par des marques épigénétiques. Ça peut être ce que vous mangez ou, comme j'ai touché, ce que votre grand-mère a mangé. Ça peut être des toxines, on va en traiter, des pesticides. Ça peut être l'alcool. Ça peut être la cigarette. Et évidemment, c'est est-ce qu'on est calme? C'est vraiment intéressant de voir les études qui ont été faites sur les rats gestantes et le stress et la manière dont certains auteurs interprètent ces données. Si on suivait tout le monde, toutes les femmes seraient déjà à la cuisine et en train de faire du tricot. Évidemment, je les rappelle que pour certaines, c'est un plus grand stress qu'aller au laboratoire. Mais voilà, chacun doit trouver son niveau. Mais je vous ai montré à deux reprises l'idée, et j'insiste là-dessus, c'est pas que la mère qui va laisser ses marques, le spermatozoïde aussi va emporter. Alors, l'exemple des polluants environnementaux, évidemment, est-ce que c'est la transmission si un embryon dans une mère gestante est exposé? Parce que, évidemment, cet embryon, il a aussi ses petites cellules germinales qui développent. Donc, un stress sur la mère, on va traiter juste l'idée de mère dans cet exemple, un stress sur la mère va être transmis directement, si on veut dire, à la génération F2 de suite. Et sans qu'il y ait vraiment besoin de l'idée qu'il y a un transfert à travers les générations parce que le stress est vécu en même temps. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Et un des plus, disons, évidents qu'on a vu dans les médias, c'est le Dilstilben DOS qui a été donné en France, aux États-Unis, dans les années c'était dans les années 50-60 avant qu'on le retire du marché et c'était comme la thalidomide, ça n'avait aucun effet, c'était pas utile, mais c'était encore un exemple où des compagnies pharmaceutiques avaient un produit qu'ils voulaient vendre. Et malheureusement aujourd'hui les femmes qui sont nées par la suite de ces grossesses, ça avait un effet quand même, ça calmait un petit peu, mais les effets sur les enfants étaient bien pires. Ces filles qui sont nées de ces mères-là ont un taux de cancer vaginal plus élevé et d'autres formes de cancer du système reproducteur. Et on commence maintenant à regarder la troisième génération, mais j'insiste sur le fait que les filles et la troisième génération étaient sans doute exposées lors de la même occasion. Donc, on ne peut pas vraiment parler de transmission lamarckienne ou pas. L'autre exemple qui a vraiment intéressé les médias, c'est le vincoseline, un fongicide appliqué sur les fruits et légumes et inclut les vignobles. Vous allez, jusque très récemment, si vous en buvez votre verre de vin, vous en avez une sacrée dose. BSIF en vendait à partir des années 60, fin des années 70, et il y avait beaucoup de différentes marques. Et c'est une molécule qui ne ressemble pas trop à un stéroïde, mais il affecte vraiment le système masculin. Et ici, un exemple, un couple de testicules d'une rat. Un rat normal. Et ici, un F3 génération, c'est-à-dire un rat dont ce fois-ci, on est sorti de le 1, de 0, 1, 2. Cet animal-là n'avait pas été exposé à aucun moment. Il n'y avait que sa mère ou son père qui a pu être l'animal exposé lors de la première exposition. Je peux dire que quand ce papier est sorti, en Suède, ils ont enlevé tout de suite le vincoseline sur le marché. Et on peut voir ça à différents niveaux. Le vincoseline va augmenter le nombre de cellules apoptotiques, c'est-à-dire les cellules qui meurent,
il va diminuer le nombre de spermes et il va diminuer la motilité des spermes. Et ceci, comme vous le voyez, F1, F2, F3, F4. Et dans le schéma, vous avez bien compris que c'est que le F1 et le F2 qui avaient pu être exposés lors du traitement de la rate gestante. Donc vraiment, c'est là où les gens, vous pouvez comprendre, ont commencé à parler de transmission lamarckienne. Mais qu'est-ce qui est sorti dans Nature Medicine il y a 2 mois? Et il y a eu un commentaire où quelqu'un a cité la Bible, les péchés de nos pères. Mais à vrai dire, parce que l'expression c'est garder, excusez-moi, je l'ai mis en anglais, c'est l'idée que les générations de troisième et de quatrième génération vont être punies par les péchés de nos pères. Mais ici, et c'est vrai que la plupart des exemples sont des effets néfastes sur les générations suivantes. Mais ici, pour une fois, on a un effet bénéfique. Je vous l'explique parce que on va prendre un rat mâle et on va lui blesser le foie. Et dans l'expérience, ils ont utilisé 2 méthodes pour faire une blessure du foie. Ils ont soit fait une ligation du canal biliaire ou soit donné une toxine qui détruit spécifiquement des cellules hépatiques. Après, le foie va faire une réponse, il va faire une manière, il va créer un fibrose, vous avez parlé, c'est une forme de cirrhose hépatique. Okay? Donc on a induit une forme de cirrhose hépatique chez les rats par différents moyens. Ce qui est incroyable, c'est que le sperme de ces rats vont subir un changement épigénétique. Ils vont ouvrir la chromatine autour d'un gène, un gène qui est assez intéressant parce qu'il est impliqué dans beaucoup de régulations métaboliques. Et le rat, on peut même prendre les facteurs transmissibles dans le sang de ce rat et le transférer à un autre, ou on peut reproduire le rat et utiliser le sperme. Et les rats mâles suivants, quand on fait la même blessure qui a été subie par le premier, ils vont avoir une fibrose réduite. Donc, il y a un effet bénéfique. Ici, c'est vrai que là, on a vraiment, s'il y a un exemple qu'on peut dire d'une transmission, d'un caractère acquis qui va donner un avantage sélectif, c'est bien cette démonstration. Donc, on a le cas d'un effet adverse, mais qui a des conséquences transmissibles, bénéfiques. Alors, on a une adaptation par un mécanisme épigénétique. Donc, on peut vraiment reposer notre question. Est-ce que c'est le temps, non seulement de revisiter le marque, mais de le redonner ses honneurs? Est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est lui qui a quand même élaboré la première théorie d'évolution en 1809? Est-ce que vraiment ses idées étaient valables? Je pense que oui. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur et placer les connaissances d'aujourd'hui dans un contexte inapproprié? Il ne faut pas oublier, je pense que vous l'avez vu à travers la lecture, le grand critique qu'on peut faire à Lamarck, c'était cette idée d'habitude et cette finalité qu'aujourd'hui on ne peut pas accepter. Mais quand même, quel scientifique n'a jamais eu tort? Il faut avoir tort quand on fait la science. Il faut pousser les idées juste avoir tort. Et là, on a quand même plusieurs démonstrations de quoi l'ADN peut subir des marques qui peuvent être transmises à des générations suivantes. Et je viens de vous montrer un exemple où non seulement il y a des marques transmises, mais ça donne
un avantage à la génération suivante. J'aimerais bien savoir ce que Louis aurait pensé. Je vous remercie. Merci, madame, pour votre exposé très intéressant. Il est courant de dire que les mutations sont aléatoires. Vous l'avez dit vous-même en ouvrant ce cours. Excusez-moi. Il est courant de dire que les mutations sont aléatoires. Oui. Vous l'avez dit vous-même. Oui, oui. Je l'ai même dit. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que l'action des facteurs mutagènes est sous la dépendance de mécanismes épigénétiques? Et dans la mesure que les facteurs environnementaux vont déterminer si le chromatine est ouvert ou fermé, va introduire une variable dans la manière dont le chromatine et donc la séquence d'ADN et la mutation va être plus ou moins sensible à l'insulte environnementale. Donc, il y a effectivement les deux idées se rencontrent, tout à fait, à ce niveau-là. On peut voir que des cellules en division cellulaire sont plus sensibles à des effets des rayons ionisants. C'est pour ça qu'on traite le cancer avec les rayons, parce que les cellules qui divisent rapidement, les cellules cancéreuses, avec la chromatine ouverte, lors de la division, vont être plus sensibles. Donc, c'est ces facteurs. Les deux sont liés, tout à fait. Ça répond suffisamment à votre question ? Madame, vous avez présenté une diapositive avec les générations, une diapositive jaune et violette. Il y a une flèche de transmission somatique. Oui. Alors là, expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Parce que c'est pas, pour l'instant, Là, je l'ai pas. Quel est le moyen biologique ? Ok, c'est une très bonne question et ça prend assez de temps pour expliquer. Et beaucoup de biologistes auxquels je l'explique ont du mal. Donc, les expériences, à part les transmissions de l'information dans le cytosol, comme j'ai dit, des prions, etc., qu'on peut voir chez des prokaryotes, etc., et évidemment chez les eukaryotes et les mammifères. Mais l'exemple le plus intriguant de transmission via le soma, c'est les soins maternels. Et c'est lié... vous permettez que je trouve une diapositive pour l'illustrer? J'aurais dû le mettre... j'y vais. C'est des expériences d'un certain Michael Meany, M-E-A-N-E-Y, un Canadien qui travaille, comme je viens de le dire, sur, quand j'ai cité l'axe de stress, l'axe comment le cerveau contrôle les réponses au stress. Et il a fait des expériences extrêmement intrigantes où il prend une rat mère qui est une bonne mère. Et une bonne mère rat va s'occuper bien de ses petits, c'est-à-dire elle va les lécher, elle va les donner beaucoup de lait, elle ne va pas le tourner le dos, etc. Oui, un bon comportement maternel. On va voir que les enfants, les ratons qui naissent, qui sont élevés par une telle mère, ont un niveau de stress assez bas. Ils réagissent bien au stress, ils ne vont pas être anxieux, etc. Et on peut même trouver les marques dans le cerveau de ces ratons, la méthylation de gènes spécifiques impliqués dans le contrôle du stress vont être différents chez ces rats et ces ratons qu'un rat élevé par une mère qui a été stressée elle-même et qui élève mal ses enfants. Vous pouvez voir tout de suite, je pense, les implications socio-économiques de ça. Et la marque est dans la méthylation de l'ADN. Et on va voir que c'est le comportement de la mère qui va induire la méthylation de ces marques dans le cerveau. Et donc, c'est un exemple. Nous sommes d'accord que ce n'est pas direct. La flèche devrait être au-dessus, dans un sens. Mais c'est une transmission culturelle, mais qui a une marque génétique, épigénétique, je devrais dire. Excusez-moi. Oui, mais ça ne passe pas par le cytoplasme.
Pas dans ce cas-là. Est-ce que vous avez des transmissions qui passent par le cytoplasme? Et est-ce que vous... Chez un rat, est-ce que la manière dont le comportement est déterminé, voilà. D'accord. Ça, c'est une transmission culturelle. Mais l'ADN mitochondrial, est-ce que vous l'incluez dans le soma ou dans le, ou dans l'ADN? Excusez-moi. Putain, la question. Il faut poser des questions. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est une très bonne remarque. On pourrait évidemment inclure cela dans la transmission somatique. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des manques et la manière dont... les mitochondries, c'est vrai. Peu de gens l'ont regardé pour le moment dans ce contexte, mais il peut évidemment avoir la transmission de l'information dans le génome mitochondrial aussi, et dans la manière dont le génome va s'exprimer. Laissez-moi penser à un autre exemple. Mais en général, c'est plutôt l'exemple de transmission culturelle, mais qui laisse les marques, je réinsiste, au niveau du génome. Merci. Oh oui, ad infinitum, mais vous pouvez faire des mélanges, vous prenez des ratons nés d'une mère, une bonne mère, et les mettre à être élevés par une mère qui a été stressée lors de sa propre premier mois de vie, et vous aurez l'effet contraire. Vous pouvez l'induire et c'est vraiment lié. Et on va trouver la même chose. Les chercheurs ont pris les cerveaux des jeunes qui se sont suicidés et on va trouver les mêmes marques de méthylation dans les enfants qui ont été stressés au point d'avoir des déprimes qui peuvent mener jusqu'à... Les mêmes marques vont se trouver dans le cerveau humain. Alors, vous avez, sur une des diapos, vous avez... Voilà. Vous avez dit que la méthylation s'effectue sur les régions non codantes. Est-ce qu'il y a... Principalement. Pardon ? Principalement. Principalement. Et qu'est-ce qui se passe si la méthylation est sur les régions codantes ? Ah ben, il va avoir un effet différent, il ne va pas avoir autant... Disons que, pour la discussion, c'est pour ça que j'ai insisté tant sur l'idée que les régulations de ces régions régulatrices vont déterminer l'expression de gènes. À vrai dire, dans ce contexte de la discussion, je ne pense pas qu'il va avoir les mêmes conséquences. Oui. La question du monsieur me fait quand même penser à mes cours élémentaires qui sont bien loin maintenant. En fait, quand on est passé du monde ARN au monde à ADN, c'est la méthylation de l'uracile, non, qui a de donné l'uracile dans l'uracile qui faisait que l'ARN était très instable puisqu'il s'hydrolysait. Il y a des questions facilement. Le même type de questions, le même type de mécanisme. Et l'ADN était beaucoup plus stable. Et l'uracile a été transformé en cytosine. Et c'est ça. Pas transformé. Il y a eu méthylation de l'uracile. La lumière s'est mise sur la méthylation de l'ADN et la cytosine. Il se trouve que la méthylation est parfois très bénéfique parce que. Tout à fait. Parce qu'on est quand même dans un monde à ADN depuis un bon bout de temps. Hein. Tout à fait. Voilà, c'était simplement pour. Ouais. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste et ma question va être très naïve sans doute. Est-ce que tout ce qu'on a compris du comportement pouvait modifier l'ADN définitivement le génome, si vous voulez. Vous posez la question. La manière de ce qu'on mange va pouvoir modifier l'épigénome de nos cellules. Oui, mais est-ce que après cet épigénome peut modifier le génome? Est-ce qu'il peut y avoir transmission des caractères? La question que monsieur a posée, c'est-à-dire que est-ce que la manière dont le chromatine va être ouverte ou non va le rendre plus susceptible à des mutations ou non? Et la réponse est oui. Mais c'est par le biais de mutations de nouveau. Pardon? C'est par le biais de mutations. Ah non, attendez. Je comprends plus. Ça peut introduire une plus grande sensibilité, mais tout ce que je vous ai montré aujourd'hui en termes de l'exemple de la vincloseline, l'exemple de l'insulte qu'on peut faire au foie,
Tout ça se joue au niveau de l'épigénome sans qu'il y ait de modification dans la séquence de l'ADN. Et est-ce qu'il peut y avoir transmission sur des générations de caractères, de certains caractères, sans que le génome soit modifié? Oui, sans modification du génome, il peut y avoir transmission. Les deux exemples sur lesquels je me suis attardée aujourd'hui, après avoir expliqué les mécanismes pour que vous compreniez pourquoi, les deux exemples que je vous ai donnés, c'est oui. L'exemple de la diethylstilbestrol, c'est une autre, mais on pouvait même dire que les trois générations étaient exposées en même temps. Donc l'idée de transmission d'une information donc, n'est pas aussi évidente. Donc, mais les deux autres exemples, c'est clair, c'est la transmission d'informations via un marque de méthylation de l'ADN. Donc le génome n'est pas le seul moyen de transmission des caractères héréditaires. C'est autre chose exactement, merci madame, c'est exactement ce que j'essayais de dire depuis le début. Vous l'avez tout compris. C'est inespéré. Je pense que si je reviens au début, c'est exactement ça que je voulais dire. Ouais. Je me permets une nouvelle question, si vous permettez. Est-ce qu'à l'aval de la transcription de l'activité du génome, le mécanisme de catalyse enzymatique, donc à l'aval, pourrait être sous dépendance de facteurs épigénétiques? Ah oui, oui, tout à fait. Les gènes qui vont être responsables de la méthylation peuvent eux-mêmes être la transcription des gènes qui codent pour les protéines qui sont des enzymes de méthylation, excusez-moi, pour être plus exact, vont eux-mêmes être sujets à des régulations épigénétiques. Tout à fait. Lors de la métamorphose d'un têta en grenouille, nous savons que c'est maintenant le signal de l'hormone thyroïdienne qui va ouvrir le chromatine autour de ces gènes qui codent pour les méthylases qui vont faire changer les marques de méthylation, soit sur les histones, soit sur l'ADN. Tout à fait. Excellent. Merci. Il y a une question de ce côté-là. Oui. Merci. Oui, bonsoir. Ce qui m'intéresse, c'est un peu les exemples concrets. Vous avez parlé d'atrophie à un moment donné, d'atrophie des membres. Enfin, oui. C'est pas vous, mais enfin, c'est la marque. Est-ce que dans le cas des atrophies, genre les vers qui deviennent aveugles, dans les vers cavernicoles qui vivent dans le noir total, est-ce qu'on peut penser que la séquence de gènes n'ait pas été modifiée, mais que l'expression de certains gènes ne se faisant plus, ces vers soient devenus aveugles? Je pense, si on les mettait de nouveau à la lumière sur quelques millions d'années, est-ce que ça fait partie de l'épigénétique, tout ça? Je pense que c'est plus des changements de génome, des séquences de génome. Mais justement, si j'avais fait un cours sur comment le lamarckisme a été revisité par des scientifiques pas très sérieux dans le XXe siècle, on aurait pu voir des exemples où les gens ont essayé de démontrer que la perte d'un caractère par atrophie pourrait être réinstaurée. Et c'est des histoires assez passionnantes. Mais à ma connaissance, le genre d'adaptation dont vous parlez, c'est beaucoup plus ancien que... Ça ne tient qu'à la mutation. Ouais. C'est ce que j'essaye de dire dans mon petit schéma, que même une mutation qui acquit rapidement, qui agit sur une génération suivante, ça c'est plutôt le manquant. Mais dans le contexte d'un animal cavernicole, par exemple, qui perd plusieurs gènes qui vont être impliqués dans la vision, non. Là, ça ne revient pas parce qu'on lui donne un peu de lumière. Merci. Bonsoir. J'aurais voulu savoir en fait comment se faisait la transmission de l'épigénome de cellule à cellule au cours des divisions cellulaires. Et aussi, en fait, chaque individu, c'est la combinaison de deux épigénomes. Mmh. Donc, comment se faisait, en fait, ce mix? Excellente en fait. Question. Et il y a le père, il y a la mère, donc comment ça se combinait? C'est une... si on parle de... La réponse est, évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, très complexe. Et heureusement, à Paris, on a des experts, et je devrais dire des expertes, parce que c'est Edith Heard à Curie et Deborah Borshi qui étudient énormément
Parce que c'est vrai que lors de la fécondation, la formation du zygote, ces marques sont effacées. Et les enzymes doivent retrouver les endroits pour remettre. Or, c'est ce qu'on pensait jusqu'à très récemment. Et j'ai lu une review hier soir pour me mettre un petit peu à la page, pour ainsi dire. Et j'ai trouvé qu'effectivement, bien qu'autrefois on pensait que tout était effacé et tout était réécrit, eh ben non. Certaines marques résistent à ces vagues de déméthylation et reméthylation. Et effectivement, c'était c'est un des grands mystères. Comment ceux qui ne résistent pas, comment l'information est retrouvée. Mais vraiment, je vous conseille d'aller discuter avec Deborah Bourchy sur ce sujet. Elle s'y connaît beaucoup plus que moi. Oui, ici, là, à droite. Okay. Oui, à propos des... à droite ou à gauche, je ne sais pas, ça dépend du point de vue. Au niveau de la transmission des marques épigénétiques, justement, la grande différence à laquelle on s'attend par rapport aux modifications génétiques, c'est le côté réversible de cette marque épigénétique. Du coup, est-ce qu'il y a des études à long terme, justement, sur cette dilution un peu de la marque? C'est qu'on va dire que la première génération, la fille va subir l'influence de la mère, mais au bout de 10 générations, ce qu'on peut faire sur des organismes... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des études de dilution de cette marque? Oui, il y en a, et ça va diluer. Et oui. Ça s'efface dans le temps, d'accord. Oui. Sur ce genre de... l'effet de la vinclozyline, c'est beaucoup moins fréquent dans la troisième et la quatrième génération, d'accord, que dans la deuxième, oui. Oui. Ce qui va être intéressant va être le cas qui a été publié en septembre. La population française serait une très bonne population à étudier. Bon, façon. Époque là, oui. OK. D'accord. Bonsoir. J'ai deux questions, en fait. J'ai une question facile. Comment on distingue... Ça les traîtres, les questions les plus difficiles. Oui. C'est comment on distingue les portions codantes et non codantes dans... D'un gène. Ah oui, c'est vraiment très facile. Ah ben, vous n'êtes pas biologiste, je pense, non? Et non. Non. Ah ben, bon, on va voir d'abord, si on regarde l'ARN qui est transcrit, il va avoir une complémentarité avec la séquence d'ADN. OK? Après ça, pour décider quelle est la partie qui régule et qui est vraiment impliquée dans la régulation, on a des éléments qu'on va chercher pour voir à quoi ça correspond, où des facteurs de transcription vont pouvoir se fixer et où les sites de recognition de Ah oui, il y a des sites spéciaux pour commencer la transcription. Oui. Okay. Il y a des séquences d'ADN qu'on va pouvoir dire, tiens, c'est là où ça va se fixer, etc. OK? Et puis la complémentarité avec une séquence d'ARN qui est produite. OK. Il y a Jean-Christophe Escudé qui pouvait répondre à ça à ma place, n'est-ce pas? Christophe. OK. Alors la deuxième question, c'est plus justement sur la question est-ce qu'il faut réhabiliter la marque? Donc d'un point de vue historique, c'est clair, il a eu des intuitions qui sont très... Enfin, qui sont originales et pertinentes. Après, vous avez dit qu'on a peut-être tendance à plaquer les connaissances d'aujourd'hui sur les idées de la marque. Et bon, donc, peut-être un peu surinterpréter ses propos, des choses comme ça. Oui. Je fais attention. Donc, vous pensez que c'est un anachronisme ou vous pensez que... Non, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Et par exemple, en physique, on sait qu'il y a des chercheurs très sérieux qui parfois se mettent à délirer, à parler de la particule de Dieu en parlant du boson de Higgs ou bien à faire des liens avec des textes obscurs, souvent des textes de la philosophie orientale. Enfin, on aboutit assez vite à du grand n'importe quoi. Je ne dis pas qu'on fait n'importe quoi en réhabilitant la marque, mais voilà, c'était pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je crois que, comme j'ai dit, ça fait 5 ans que je fais ce cours sous différentes formes au muséum avec des gens qui étudient l'histoire de la science ou la philosophie de la science. Et j'étais toujours très réticente. Je trouvais qu'on était, même autant qu'on peut le respecter, Adrienne Bird, avec son saveur, la marquienne délicieuse. J'ai pensé que c'était plutôt un anachronisme parce qu'il y a cette finalité que la marque a toujours donnée. Mais au fur et à mesure que les exemples s'accumulent, et au fur et à mesure, surtout, si vraiment on trouve d'autres exemples comme celle que je viens de vous montrer, le dernier exemple, je crois que ce n'est plus un anachronisme. Et comme j'ai dit,
On peut critiquer toute théorie. Tout le monde va avoir tort à un moment. J'aime bien raconter aussi un débat que j'ai entendu une fois entre deux prix Nobel, Jerry Edelman et... oh mince. Anyway, deux prix Nobel. Et ils débattaient si le cerveau humain et la conscience peuvent être reproduites par une accumulation de 10 puissance 15 neurones et cellules, etc. Et évidemment, on disait qu'il y avait un ordre de complexité au-dessus, et l'autre était Eric Kandel, donc Kandel et Edelman. Et on a arrêté le débat à un moment, il a dit, écoutez, quand j'étais étudiant, il y avait un jour où je n'ai pas pu aller en cours, et j'ai demandé à un de mes amis de prendre des notes, et il est revenu, et on a discuté après, et... Anyway, le message est que Edelman a dit, mais enfin, il n'est pas allé plus loin. Et l'autre a dit non. Donc, il n'a pas pu avoir tort. Et l'autre a dit, ben non. Et Edelman a dit, ben c'est pas intéressant. Il faut toujours pousser ses idées jusqu'au point où on risque au moins d'avoir tort. Et bien, Lamarck, peut-être il a fait ça. Il avait des idées. Il avait des idées sur la transmission. Quelque chose dans l'environnement allait affecter un animal si cet effet est joué dans le développement. Et s'il y a une reproduction, on a vu que dans le cas que je vous ai donné aujourd'hui, le mère ou le père n'a pas besoin d'avoir subi la même information, mais l'information va être transmise. Eh bien oui, je pense qu'il faut lui donner crédit. Il avait quand même eu l'idée de... C'est pas pour rien qu'on dit qu'il a élaboré la première théorie de l'évolution. Il a élaboré la première théorie de l'évolution. On insiste aujourd'hui sur ses torts, mais peut-être il est temps de réinsister sur ce qu'il avait de juste. Oui. On vous entend pas. Mais vous dites toujours que c'est un anachronisme quand même, oui? C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui? Peut-être. Mais est-ce que relire Lamarck, est-ce que ça peut aujourd'hui inspirer de nouvelles expériences? Ah oui, tout à fait. D'accord. Je pense, oui. Mais lire Lamarck, c'est difficile. Il n'y a pas d'index. Si on veut aller à une idée précise, il faut quand même connaître le texte. Et voilà. Je reviens un tout petit peu en arrière sur les discussions, et je voudrais savoir si encore j'ai compris. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a transmission, mais pas hérédité, des caractères acquis? Ah ben, la raison que j'ai insisté sur le fait que, avec tout le respect, que je ne voulais pas utiliser le terme hérédité, c'est tout simplement parce que Lamarck n'a jamais utilisé le terme hérédité parce que ça n'existait pas dans la biologie. Après la Révolution, on a introduit l'idée hérédité pour l'hérédité des biens. Mais le mot hérédité dans la biologie est venu beaucoup plus tard, effectivement avec Darwin. Mais vous pouvez lire Lamarck du début à la fin, vous ne trouverez jamais le mot, l'idée d'hérédité des caractères. C'est transmission. C'est la seule raison. Mais aujourd'hui, on ne ferait pas la différence. Pour moi, la notion de transmission, c'est transitoire, si j'ose dire. Alors que la notion d'hérédité, c'est sur le très long terme. Parce que est-ce que ces transmissions dont vous parlez... Si j'ai bien compris une réponse que vous avez donnée, elle se dilue au bout d'un certain temps. Donc certaines, c'est Marc. Certaines, oui. Alors, et d'autres, non. Comme j'ai dit, beaucoup de ces expériences sont assez récentes. Dans les cas des cellules et les divisions des cellules, ça peut être très, très, très résistant à la dilution. Bon, mais je crois que... On n'a pas assez de données, vraiment. On n'a pas assez de perspectives. Merci. Oui, une question naïve, donc excusez-la par avance. Pour en revenir aux cavernicoles, est-ce qu'on peut expliquer la modification des cavernicoles en contournant l'épigénétisme, sachant oui, c'est ce que j'ai... Excusez-moi. Oui, oui. Oui, alors, ce qui me pose question dans cette histoire, c'est que si on suit strictement Kimura, mutation strictement aléatoire... Sachant que les milieux cavernicoles sont considérés comme, ou tout en cas pour certains, des milieux tamponnés, pourquoi on a convergence des modifications
dans des cavités qui sont complètement séparées, qui n'ont rien à voir avec, qui n'ont rien à voir entre elles. Donc il y a bien des modifications qui s'appliquent aux organismes. Il y a une cohérence dans ces modifications. Tout à fait. Et ça colle pas avec le caractère strictement aléatoire. Pourquoi il y en a qui deviennent blancs et pourquoi les autres ne deviendraient pas rouges? Pourquoi il y en a qui perdent leur vie? Je pense que quand même les cas d'évolution convergente avec le temps, avec le fait qu'il va y avoir une sélection très différente dans ces milieux que dans d'autres, je pense qu'on va trouver quand même... des explications darwiniennes et qui s'expliquent très bien par la perte de régions régulatrices sur les gènes qui ne servent pas. Parce qu'il va y avoir des mutations spontanées. Mais c'est les mêmes gènes qui ne vont pas servir dans le cave A et dans le cave B à différents endroits. Donc le fait qu'on peut avoir une sélection... bénéfique sur ces gènes n'est pas un problème, quoi. Oui, mais l'épigénétisme arrange bien les choses, quand même. Arrangerait bien les choses. Dans le contexte, il faudrait, c'est vrai que c'est un sujet à regarder de plus près. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Oui, bon, peut-être. Juste une dernière question, si vous voulez, excusez-moi. L'expérience de la cirrhose des rats... Oui, c'est fibrose. Oui. C'est moi qui utilise le terme cirrhose pour le rendre un petit peu plus... Tout le monde comprend. C'est un peu bizarre, quand même. Oui, tout à fait. Je trouve que ça va un peu vite. Est-ce que ce n'est pas un artefact? Je veux dire, par là, est-ce que ce n'est pas une sécrétion de corticoïdes? Ah non, ben justement... Et est-ce qu'on sait pourquoi la deuxième génération lutte mieux contre la cirrhose? Oui. Est-ce qu'on a un intermédiaire de compréhension ou est-ce que c'est uniquement de l'histologie? On a regardé les foies et bon... Oui, non, c'est un papier extrêmement dense. Bon, ouais, tant mieux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille sur ce sujet, qui a aussi passé du temps sur ce papier. On a vraiment... C'est solide. C'est solide. L'inconnu est ça. Parce que, justement, on peut prendre le sperme de ce rat-là et l'utiliser dans un accouplement avec une rat qui n'a pas subi le stress. Et comme j'ai dit, le progénie va avoir une meilleure résistance à une insulte sur le foie. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on peut prendre le sang, le sérum de ce rat, et le donner à un autre rat. Et le sperme que cet autre rat qui n'a pas subi l'insulte, il va aussi... Oui, mais c'est des manipes. Oui, mais c'est là où on peut craindre un artefact, parce qu'il suffit qu'il y ait, par exemple, une sécrétion de corticoïdes très importante. Je crois qu'ils ont... Je dis n'importe quoi, parce que je ne connais pas l'expérience. Oui. Mais la sécrétion chez le rat numéro 1, par exemple, d'une importante dose de corticoïdes, et à ce moment-là, il y a presque une transmission cytoplasmique, je veux dire. Bon, je crains un artefact sur cette expérience un peu trop spectaculaire. Tout le monde craint un artefact. Voilà, c'est ça, parce que c'est tellement spectaculaire. C'est tellement spectaculaire, mais si vous êtes un peu dans la science, je vous invite d'aller le regarder. Mais c'est quand même... j'ai discuté avec deux ou trois personnes qui l'ont regardé de près, hein, et personne pour le moment a trouvé la faille. Mais vous savez, peut-être que je vais en parler dans le cours la semaine suivante sur le vieillissement, hein, ce genre de transfert de sérum d'un animal à un autre, la parabiose, c'est quand même des effets assez spectaculaires. Et vraiment, il y a des choses qu'on n'a pas compris et des facteurs qu'on n'a pas identifiés qui circulent dans notre sang. Oui. Moi, j'avais une question. Vous parlez des facteurs de l'environnement sur l'épigénome et sur les facteurs du père, de la mère, sur le maternage. Et moi, je me pose une question. Les couples ont des enfants de plus en plus tard. Oh, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser
De cette génération. Oui, oui. Parce que les femmes sont plus stressées à 40 qu'à 20 ans. Oh, pas tous. Il y en a qui sont plus. Elles sont beaucoup plus anxieuses. Ça dépend. Non, mais dans la. Il y en a qui trouvent la sérénité à 40 ans. Oui. Bon, excusez-moi. Oui. Mais je pense. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Puisque ça va être le maternage, par exemple, dans la maternité. Vous avez des mères qui regardent plus leur enfant, qui sont au téléphone portable pour parler de leur enfant, alors que l'enfant est dans le berceau. Oui, oui, tout à fait, ça. Donc, alors, quand vous parlez de maternage, j'ai évité. Oui. Voilà, ça me fait poser cette question. Ah oui, vous avez absolument raison, parce que là, on ouvre des chapitres. J'ai exprès pas parlé de la fertilisation in vitro de Dolly, le mouton, l'agneau qui avait des maladies très différentes de sa mère, qui avait exactement le même génome. Et j'ai pas voulu trop ouvrir ce chapitre, mais qu'il est absolument évident que les enfants qui sont nés par la fertilisation in vitro ont un épigénome totalement différent de ceux qui sont nés par une fécondation naturelle. Et les découvertes, ce qu'on va découvrir, c'est très précoce, mais les femmes qui ont des... des enfants plus tard, c'est vrai, ça, à un moindre niveau, va aussi jouer sur le même type de facteur, oui. Dernière question. Voilà, on y va. En 10 secondes. Ce matin, à la radio, il sort une enquête sur la diminution de fécondité des Français. Chez les Français, oui. Je pensais que j'allais avoir une question là-dessus. Eh bien, pesticides, polluants... Oh, je crois qu'on boit moins. Pardon? Oui, ils ont beaucoup bu. vraiment, c'est des expériences, c'est des observations pour lesquelles on peut ne faire que des associations et dire les causes, c'est très difficile. Mais pour moi, les polluants dans l'environnement et les polluants qu'on... Nous, on est aujourd'hui en train de regarder la troisième génération de ceux qui ont été exposés aux polluants. Les plastiques, c'est les années 60, la première génération, donc 80, la deuxième, et là, on est dans la troisième génération des gens qui ont été exposés à des plastiques et des pesticides in utero. Non. Je pense que ça va s'empirer. Donc, c'était la dernière question. Merci beaucoup, professeur Domenech.